Bienvenue merci. Chez moi, hi. よろしくお願いします。 J'ai entendu dire que votre père vous racontait souvent des histoires qui faisaient peur. Quel a été pour vous l'intérêt par rapport à ces histoires quand vous étiez enfant ? Oui, mon père était professeur, enseignant dans une école dans la montagne. Et quand on a déménagé donc à Sonimura, il m'a raconté des histoires de ce village qui étaient assez effrayantes. Et le soir, avant de m'endormir, il me racontait très souvent donc, l'histoire de la femme serpent, par exemple, que j'aimais beaucoup. Ça me faisait très peur, mais j'en redemandais tout le temps. Et quand j'ai commencé à vouloir dessiner donc, des histoires qui faisaient peur, je me suis dit que pour que les histoires fassent vraiment peur, il fallait que j'aie moi-même peur, que je connaisse cette frayeur. Et je me suis rappelé donc, ces histoires que me racontait mon père et j'ai commencé donc, par dessiner cette femme serpent. Alors, bien sûr, mon père m'a raconté bien d'autres histoires, des histoires qui étaient des légendes anciennes du Japon, des histoires de samouraïs. Mais cette histoire de femme serpent m'avait particulièrement marqué et je l'appréciais particulièrement. Donc je peux dire que mon maître dans les histoires, dans les mangas d'horreur, c'est mon père. Et donc, est-ce que mon père est vraiment le seul à m'avoir inspiré ? Eh bien, non. Et ma mère, hein, vous vous demandez bien quel a été le rôle de ma mère. Eh bien, je vais vous le dire. J'avais à peine 7 mois, je pense, en tout cas, je marchais à peine. Ma mère s'est dit, mais cet enfant, si on lui donne de quoi dessiner, qu'est-ce qu'il va pouvoir nous faire ? Et en fait, elle m'a d'abord montré comment dessiner un cercle. Ça m'a beaucoup surpris, j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis, elle a dessiné un autre cercle à l'intérieur en me disant, si on fait plusieurs cercles, on peut arriver à faire une fleur. Et je me suis montrée, semble-t-il, passionnée.
Et en fait, je pense que ça vient de là. Je me suis aperçue que j'avais toujours, depuis la plus petite enfance, toujours de quoi dessiner à la main ou sous la main. Et donc, je peux dire que mon professeur d'histoire, de récit, c'est mon père. Mon professeur de dessin, c'est ma mère. Tous les deux, en fait, sont à l'origine vraiment de mon travail d'auteur de manga. Mais à l'époque, on ne pensait pas tellement encore au manga, ça n'était pas un domaine encore très développé. Et mon grand-père, lui, avait une certaine idée de ce que je pourrais faire. Il pensait que je pourrais devenir Dakugoka, c'est-à-dire narrateur de Dakugo, ces histoires traditionnelles qu'on raconte en solo sur une scène. Donc, en 2014, vous avez, en tant que réalisateur, tourné votre premier film, Mother. C'est un film qui a des racines autobiographiques. Donc, la mère y prend une place très importante. Est-ce que vous pouvez nous parler, justement, du thème de la mère dans vos œuvres ? D'abord, je pense que la mère, c'est un être absolument essentiel, important pour quiconque. Tout le monde est né d'une mère, tout le monde a ou a eu une mère. Et j'ai toujours pensé qu'il était nécessaire de l'introduire dans les histoires que l'on raconte. Mais en fait, le thème de ce film, c'est bien sûr tous les éléments autobiographiques autour de ma mère, mais sur cette base, j'ai ajouté toutes sortes de mensonges ou de romans. Alors, il y a beaucoup de vérités dans ce film, mais il y a aussi beaucoup de choses que j'ai inventées. Et il ne faut pas croire que toutes ces parties terribles, d'horreur du film, ce sont des choses que j'ai vécues. Et je pense que c'est dommage, mais je dois avouer que je n'ai jamais vu le moindre fantôme. Donc en fait, dans ce film, il y a toute une partie de choses tout à fait réelles. Disons que ce qui est faux, c'est tout ce qui tourne autour des fantômes. Par exemple, les derniers mots de ma mère sur son lit de mort, ça, ce sont vraiment des choses réelles. Voilà, tout ce qui touche aux fantômes, c'est faux. Le reste, c'est ma vie. En fait, c'est l'histoire de ma mère, à partir de laquelle donc j'ai créé toutes sortes de fictions. Mais c'est bien de ma mère dont il s'agit à la base, cette mère dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui m'a appris à dessiner. Alors, on a parlé de votre mère, et maintenant, le sujet du père. Oui, bien sûr. Et par exemple, 14 ans, c'est un manga dans lequel le père et son enfant sont les personnages principaux. Donc il y a bien une image du père aussi dans certaines de mes histoires. Mon père donc travaillait dans une école dans un petit village retiré de la montagne, et moi j'ai vécu jusqu'en deuxième année à peu près du primaire dans ce tout petit village assez éloigné. Et puis mes parents finalement ont décidé de déménager dans une ville un peu plus grande, donc nous sommes allés à Gojo. Et si je peux essayer de me rappeler, j'ai l'impression que mes parents, ni mon père ni ma mère, ne m'ont jamais grondé. J'ai l'impression de ne jamais avoir été corrigée ni par mon père ni par ma mère. Peut-être j'ai fait quand même certaines choses, ils m'ont peut-être un petit peu couru derrière. Mais franchement, j'ai l'impression que j'étais un gentil garçon, et c'est pour ça qu'ils ne me grondaient pas. Si j'essaye de repenser aussi, par exemple, à ce qui se passait avec mon père, quand il devait aller faire des courses ou porter des messages, faire quelque chose, là où nous vivions, donc c'était assez perdu dans la forêt ou dans la montagne. Et
Il préférait se déplacer le soir parce qu'il faisait moins chaud que dans la journée. Et parfois, quand je l'accompagnais, donc avec un petit sac sur le dos, je lui demandais s'il n'y avait pas des choses qui feraient peur dans la forêt ou dans la montagne. Et en fait, mon père m'a toujours répondu quand on s'approche, les animaux, eux, se cachent et qu'on n'a pas à avoir peur des animaux. Par contre, ce qui fait peur, c'est plutôt les gens que l'on peut rencontrer dans les contrées perdues. Ce sont les gens qui font peur. Et ces derniers temps, je me suis dit d'ailleurs que quand je marche tout seul dehors, ce qui me fait le plus peur, en fait, ce sont les chiens que les gens ont élevés et qui ne se sauvent pas quand on s'approche et qu'au contraire, vous aboient dessus. Et c'est pour ça donc que tout cela apparaît aussi dans mes histoires, dans mes mangas. Et je pense que c'est de là que vient aussi le fait que personnellement, je ne pense pas savoir très bien dessiner les voitures, les choses comme ça, alors que par contre, les arbres, les plantes, les animaux, je crois bien m'en sortir. Mon père, nous sommes originaires de Nara, était très fort au Go, au jeu de Go. Et il lui est arrivé plusieurs fois donc, de participer à des compétitions de Go à Tokyo. Et il était assez fort. Vous avez expliqué dans des interviews que c'était la lecture de la nouvelle île au trésor de Tezuka Osamu qui vous avait convaincu de devenir mangaka. Ce serait aussi d'ailleurs à l'origine des rayures rouges et blanches qui sont devenues comme une sorte de deuxième signature pour vous. Quels sont les auteurs ou artistes qui vous ont influencé ? Oui, effectivement. Alors, tout ça s'est passé quand j'avais environ une dizaine d'années, en quatrième année d'école primaire. Personne ne m'avait particulièrement parlé de manga ou incité à en lire ou à en dessiner. C'est moi qui ai découvert ça. C'était lors d'une vente, une sorte de vente vide grenier. Il y avait toutes sortes de choses qui étaient posées sur une natte qui était mise en vente. Et là, j'ai vu donc le livre de Tezuka Osamu, la nouvelle île au trésor. Et pour moi, ça a été comme une sorte de révélation. C'était donc une histoire assez extraordinaire. Enfin, tout le monde connaît l'île au trésor, mais là, il y a donc des corsaires qui eux-mêmes se mettent à la recherche de l'île. Et il y a une sorte de jeu de mots entre île, Shima et Shimajima, qui donc les rayures. Tous les corsaires ont des rayures, et dans d'autres histoires, j'avais repéré que ces rayures étaient le plus souvent rouges et blanche. Dans l'histoire de Tezuka Osamu, qui est en noir et blanc, cela n'était donc pas clair, mais pour moi, les rayures des corsaires devaient nécessairement être rouges et blanches. Et je me suis approprié ces deux couleurs, ce qui fait que quand ça n'a plus été ma mère qui a choisi mes vêtements, mais que j'ai pu moi-même les choisir, j'ai commencé le plus souvent possible à utiliser donc des rayures rouges et blanches. Et donc, je me suis mis à dessiner, mais au début, j'étais tellement influencée par Tezuka Osamu que mes dessins ressemblaient vraiment aux dessins de Tezuka. Mais comme je me préparais dès le collège à publier mon premier manga, c'est en tout cas l'espoir que j'avais, je me suis dit que je ne pouvais pas me contenter d'imiter Tezuka. Et donc, j'ai cherché à faire quelque chose de plus personnel. Alors, quant au dessin, quand j'étais donc dans au village de Soni Mura où j'habitais dans mon enfance, et le moment où mon père me racontait donc ces histoires qui faisaient peur, j'avais vu des albums de jeunesse, bien sûr, je lisais des livres pour les enfants.
Et j'avais repéré les magnifiques dessins de Hatsuyama Shigeru Takei Takeo. Et leurs dessins étaient vraiment extraordinaires. Donc je m'en suis aussi inspirée. Et petit à petit, c'est ce qui m'a permis de trouver mon propre style et de m'éloigner de l'imitation simple de Tezuka Osamu. Alors pour le dessin, je viens de vous expliquer à peu près d'où venaient mes influences. D'ailleurs, tout à l'heure, on pourra regarder le vitrail de mon salon que je vois là en face de moi et qui est inspiré de ces dessins-là. Quant à l'histoire, les récits, alors là, il n'y a aucun doute, c'est Koizumi Yakumo qui a été pour moi un grand inspirateur. Oui, donc l'autre nom sous lequel il est connu, c'est Lafcadio Hearn. Donc il n'était pas japonais, mais il a écrit des histoires inspirées donc, de la tradition, des contes et légendes japonais. Et il avait une écriture extraordinaire, il savait très très bien construire les histoires, et notamment celles qui sont connues en France, par exemple, sous le titre de Kaidan. Les Kaidan, en fait, toutes ces histoires qui font d'horreur ou japonaise. Je pense qu'il a été une sorte de précurseur dans les histoires fantastique et d'horreur inspirée du Japon. C'est très dommage que les Japonais eux-mêmes ne soient pas rendus compte de tout le patrimoine dont ils auraient pu disposer pour écrire ces histoires, mais les choses sont telles qu'elles sont. C'est une personne étrangère qui a su les repérer et montrer aux Japonais combien ces histoires pouvaient être intéressantes. Donc, si je dois résumer les quatre personnes, les quatre artistes auxquels je dois le plus donc, dans mon inspiration, c'est donc Tezuka Osamu, Hatsuyama Shigeru, Takei Takeo et Lafcadio Hearn. En 1961, vous introduisez le terme de manga d'horreur, Kyofu Manga. Un terme qui va être popularisé par le succès de récits comme La femme serpent et bien d'autres histoires d'horreur. Qu'est-ce qui vous attire plus particulièrement dans ces histoires, dans l'horreur ? D'ailleurs, l'horreur est devenue rapidement votre marque de fabrique. Alors d'abord, sur ce choix de l'horreur, il y a peut-être un choix que je dirais entre guillemets commercial, qui est que les lecteurs soient attirer l'attention des lecteurs sur un sujet, sur les livres que je publiais. Je m'étais aperçue que les enfants, en fait, quand ils lisent des histoires qui font peur, d'abord ils aiment beaucoup ça, et puis ils y reviennent, ils lisent, relisent ces histoires en attendant avec impatience le moment où ils savent que déjà il va se passer quelque chose qui fait peur. Jusque-là, il y avait bien sûr dans les mangas des choses qui pouvaient faire peur, mais ça n'était pas un sujet en soi. Il y avait ce qu'on appelle kaiki, c'est-à-dire quelque chose qui est plus proche du grotesque. Mais est-ce que le grotesque fait nécessairement peur? Je ne pense pas. Donc j'ai eu envie d'approfondir ce sujet autour de la peur, et j'en ai fait un thème en lui-même. Le premier manga dans lequel je me suis lancée sur ce sujet de la peur, c'est un manga dont le titre est la bouche qui va d'une oreille à l'autre. Et je me suis aperçue qu'on pouvait traiter le sujet de la peur, et je me suis lancée. À l'époque, bien sûr, il y avait des histoires policières, des mystères, mais ce qui me dérangeait dans ces histoires, c'est qu'on perdait tout intérêt pour l'histoire à partir du moment où on avait découvert le coupable. Donc en général, on ne relit pas ce genre d'histoire, et même si par hasard on devine le coupable, qui est le coupable avant la fin de la lecture, eh bien on n'a plus
plus envie d'aller jusqu'à la fin. Or, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est au-delà. C'est-à-dire, on sait d'où vient ou ce qu'est la peur, mais même en sachant d'où elle vient, on continue à avoir peur. C'est pour cela que ce sujet de la peur me semble particulièrement intéressant et à creuser et sans fin, parce que on peut toujours aller au-delà, et c'est un sujet qui me passionne. Parce que c'est un sujet qui donne beaucoup à réfléchir. Qu'est-ce que la peur ? D'où vient la peur ? Ça n'est pas seulement jouer avec une histoire et faire des et trouver des rebondissements intéressants ou amusants. C'est vraiment la recherche de ce qui se trouve au fond du cœur, au fond de l'âme humaine. Et donc, comme je le disais, c'est sans fin et c'est passionnant. 単純に何て言うんでしょうか、不気味とか。Comme vous l'avez compris, c'est un sujet que j'aime énormément. Parce que ça n'est pas seulement trouver des choses étranges, arriver à les mettre en scène, c'est vraiment ce qui se trouve derrière. Qu'est-ce qui crée la peur ? Qu'est-ce qui se trouve au fond de nos cœurs, de nos âmes ? Je pense que c'est que l'horreur est en fait une sorte de palier ou d'entrée, de porte d'entrée vers un monde créatif, artistique. Parce que si on ne se contente pas de la forme, mais qu'on essaye d'aller plus au fond, d'y réfléchir sérieusement, on peut toucher à ce qui se trouve au fond de nous-mêmes. Et c'est bien ça, l'art, il me semble. Donc, l'horreur est devenue votre marque de fabrique, mais est-ce que, au fond, ça n'a pas été un peu une limite aussi, ou quelque chose qui vous a gêné par rapport à certaines autres envies de création que vous auriez eues? Non, pas du tout. Je ne me suis jamais sentie limitée, parce que par ailleurs, je dessine aussi des tas d'autres choses, de l'humour, des petites histoires avec des gags, des histoires d'amour pour les jeunes filles, toutes sortes de choses. Donc le fait d'être un auteur d'histoire d'horreur, c'est une sorte d'étiquette qui m'a été collée, mais dont je ne me sens pas du tout prisonnier. L'enfance reste un sujet de prédilection chez vous, jusque dans des séries comiques comme Makoto-chan, qui est très éloignée de ce que l'on connaît de vous en France. Les adultes sont souvent dépeints comme irresponsables, manipulateurs, ouvertement prédateurs, alors qu'à l'inverse, les enfants y sont courageux, honnêtes, pleins de ressources. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez vraiment envers les adultes et les enfants ? En fait, non, pas du tout. Je n'ai pas une vision aussi noire et blanc de ce que seraient les enfants et les adultes. Si je les sépare comme ça, c'est plutôt pour donner une dimension à la narration, une dimension plus forte à la narration. Ce que j'essaye de faire, c'est plutôt le monde des adultes par les enfants, ou alors les adultes regardant les enfants. L'univers et le monde est fait des deux, en fait. Les enfants et les adultes doivent vivre ensemble, et il y a quelque chose de l'enfant chez les adultes aussi. Bon, je pense que c'est un petit peu compliqué ce que je dis, mais ce que je veux exprimer, c'est que je n'ai jamais voulu faire des histoires uniquement destinées à des enfants. Je veux m'adresser à toutes sortes de lecteurs, mais dans les univers que je décris, il y a des enfants, parce qu'il y a des enfants dans notre monde. D'ailleurs, je fais aussi des histoires où il n'y a pas d'enfants. Quand je présente des personnages de jeunes, j'essaye de montrer ce qui est différent chez eux par rapport à nous, adultes.
En fait, les enfants sont un élément narratif très intéressant parce qu'ils n'ont pas encore énormément de connaissances, mais par contre, une grande curiosité. Tout ce qu'ils voient, tout ce qui les entoure, ils peuvent poser la question pourquoi, comment. Et ça, cela permet donc de donner un ressort à la narration, à l'histoire. Dans une histoire, si les adultes posaient le même genre de questions, on se dirait qu'ils sont un peu idiots ou qu'ils manquent d'expérience. Alors que les enfants peuvent être ces personnages qui posent les questions et qui lancent le récit. Une question à propos du rythme de travail. Nekomeko Ozo, par exemple, est une série qui a débuté dans un mensuel. Puis elle a été publiée un temps dans un hebdomadaire, puis de nouveau publiée dans un mensuel. Le changement de rythme est d'ailleurs perceptible à la lecture. Est-ce que le rythme est important pour vous dans le travail sur un récit d'horreur? Et diriez-vous qu'il y a un apprentissage? Avez-vous fait un apprentissage particulier en travaillant dans différents formats de publication? Alors bien sûr, oui, il y a une différence dans la manière de travailler pour un hebdomadaire ou pour un mensuel. Quand il s'agit d'un mensuel, on essaye au maximum de faire une histoire par feuilleton ou quelque chose qui puisse en tout cas se lire et être presque terminé, se lire en une fois. Alors que pour un hebdomadaire, comme le rythme est plus rapide, on peut se permettre de travailler sur une histoire qui se déroule de façon plus large, plus longue. Donc, bien sûr, cela intervient sur, à la fois sur la construction du récit, mais aussi sur le dessin. Je ne dirais pas, pour moi, il n'y a pas une préférence pour l'un ou pour l'autre. Ce sont deux manières de travailler différentes, deux effets différents, et je pratique assez bien les deux. Vers la fin du travail sur le jeune garçon aux yeux de chat, je me suis peut-être, quand on est revenu sur la publication mensuelle, plus intéressé au dessin, un dessin plus fouillé, parce que cela, j'en avais envie à ce moment-là et que le support, justement, le permettait. En ce qui concerne justement le jeune garçon aux yeux de chat, comme il s'agit d'un voyage et qu'à chaque fois il peut y avoir une étape différente, cette histoire aussi, ce récit-là, convenait assez bien à une publication mensuelle en fait. Plusieurs de vos personnages vont à l'encontre de l'idée répandue que le personnage principal d'une histoire doit ressembler au lecteur de la revue qui la publie. Par exemple, Orochi est une jeune femme, mais le manga a été publié dans Shuukan Shounen Sunday, donc qui est un magazine pour les garçons. Ou bien encore, Je suis Shingo, avec deux enfants, mais qui a été publié dans Big Comic Spirits, qui est destiné à des adultes. En fait, c'est que pour moi, ce qui est important, c'est l'histoire. Plus que ce qui est souvent considéré comme central dans le manga japonais, qui est le personnage, moi, ce que je crée d'abord, ce sont des histoires que je veux raconter. Et c'est à l'intérieur de cette histoire que je dois faire apparaître, ressortir des personnages centraux. Donc, une jeune fille devienne un personnage principal dans une histoire qui est publiée dans un magazine pour les garçons, je trouve ça d'ailleurs très intéressant, et ça intéresse les garçons de plus. De même, pour les enfants dans des magazines pour les adultes, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est un moyen de découvrir le monde adulte à travers les yeux d'enfants. Donc, tout cela me semble assez cohérent. En tout cas, ce qui est important pour moi, donc, ça n'est pas la recherche du personnage et de l'identification nécessaire du lecteur, mais une histoire qui va intéresser. Dans votre œuvre, il y a des œuvres qui varient entre le folklore traditionnel, par exemple La femme serpent, Nekomeko Ozo, et la science-fiction, L'école emportée, Je suis Shingo.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce qui peut paraître comme étant deux pôles ou deux genres opposés ? Alors, les deux choses qui m'intéressent, d'une part dans le folklore et d'autre part dans la science-fiction, c'est que le folklore, hein, ces contes, ces légendes, c'est quelque chose qui nous vient du passé. Mais l'intérêt, c'est de voir comment ce passé, on l'intègre dans notre vie ou notre pensée d'aujourd'hui. Quant à la science-fiction, c'est quelque chose qui est tourné vers le futur. Et comment envisage-t-on le futur? Comment peut-on le préparer dans ce que l'on fait aujourd'hui? Donc ces deux approches m'intéressent beaucoup. En fait, ce n'est pas difficile du tout parce que ce sont des genres différents. Il suffit de se mettre dans l'histoire pour arriver à les faire fonctionner ou à trouver des ressorts narratifs pour chacun. Ce n'est pas difficile pour moi, en tout cas, de travailler sur plusieurs genres différents. Quand on écrit de la science-fiction, ça n'est pas seulement de l'imaginaire, trouver des choses qui n'existent pas aujourd'hui, inventer. Moi, ce qui me semble intéressant dans la science-fiction, c'est au contraire de travailler sur ce que l'on est en train, ce qui existe maintenant et vers quoi cela peut évoluer, ce que l'on peut faire demain de ce qui existe aujourd'hui. C'est donc un sujet qui me paraît absolument essentiel. Sur lequel travailler est vraiment une chose passionnante. Alors, Je suis Shingo a été traduit en français et au Japon a été mis en scène au théâtre. Le sujet, donc, c'est un ordinateur qui devient un homme. Enfin, on est autour des robots et donc d'un sujet qui a beaucoup d'écho actuellement, dont on parle beaucoup, qui est l'intelligence artificielle. Vous avez eu peut-être certaines visions prémonitoires sur les questions qui se posent aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a amené à penser ce que vous avez dessiné dans « Je suis Shingo » ? Alors, le point de départ Je suis Shingo, en fait, est assez simple. C'est que je venais de terminer Makoto-chan, qui était un manga de jeux d'enfants avec lequel je me suis beaucoup amusée. Mais j'ai eu envie, après, de faire quelque chose de très différent et quelque chose qui serait, disons, plus sérieux. À l'époque, la technologie autour des robots commençait à se développer. J'ai donc fait un certain nombre de reportages. Et au cours de mes entretiens, de mes reportages, des documents que j'ai pu rassembler, en fait, je me suis aperçue que plutôt que le robot, c'était finalement l'ordinateur qui semblait être en train de se développer et de prendre le dessus. C'était vraiment les prémices, le tout début de l'intelligence artificielle, mais j'ai senti là quelque chose d'important, que quelque chose d'important était en train de se passer. Alors, j'ai commencé à dessiner mon histoire, et à l'intérieur de mon histoire, il semblerait que le temps ait passé plus vite que dans la réalité. J'ai seulement précédé par mon imagination ce qui, en fait, est en train, semble-t-il, de se produire. Et en le réalisant aujourd'hui, je suis moi-même très surpris. Le livre donc date des années 80, c'est-à-dire il y a plus de 30 ans. Or, ça n'est que récemment que le sujet a intéressé un metteur en scène, que le livre est traduit en France, par exemple. J'en suis moi-même surpris et en même temps très heureux. Et 大変大掛かりな舞台で、
La mise en scène de Je suis Shingo par Philippe Découfflet, donc qui est un metteur en scène français, me semble vraiment extraordinaire. C'est quelque chose. Il a fait un travail très contemporain, vraiment magnifique. Et je sais que lui-même aurait envie, il me semble, que le spectacle soit présenté en France. Pour moi, c'est une sorte de rêve que j'aimerais aussi voir un jour réalisé. Que ce spectacle soit présenté au public français. Pour revenir à l'histoire, donc, il y avait peut-être quelque chose de prémonitoire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans l'histoire que je racontais, et j'en ai été moi-même surpris, parce que à l'époque, j'avais l'impression d'imaginer des choses, mais sans être absolument du tout certain qu'elles se réaliseraient. Or, maintenant, elles existent. Et dans la mise en scène, il y a beaucoup de questions qui se sont posées au moment de la création du spectacle, parce que des choses que j'avais, qui pour moi, au moment où je l'ai dessinée, étaient imaginaires, étaient devenues réalité. Or, quand je créé ce manga, je n'avais pas une vision politique ni religieuse particulière, mais je m'aperçois qu'il y a bien quelque chose dans ce manga qui porte à la réflexion sur le monde d'aujourd'hui. Cela dit, je pense aussi que c'est un spectacle ou un manga qui a une dimension qui peut non pas seulement de réflexion, mais qui doit aussi être vu avec le plaisir du spectacle. Tried. I white skateboard again, blew up the minds. Take the music out the box like I would thump. Stomp like Jericho walls and stretch your lungs. I'd wanna know if I was walking down the wrong road. Why'd someone tell me I have my eyes? I watch what I eat since supersized me. Since the internet, MySpace be the end thing. I talk in my sleep like I walk in a dream. I cling to the cross, who's Lord and the King? You think I'm crazy, they think I'm crazy. I'm test driving, baby, it rides amazing. Still skating for real, not the same guy. I slide to the front of the stage, hands high. Alors, une question à propos de votre maison, Umez House. On considère que c'est aussi, comme une de vos œuvres. Pourquoi est-ce que le lieu de vie, votre lieu de travail aussi, vous l'avez pensé tel quel, et en quoi est-ce que c'est aussi une de vos œuvres ? Alors, dire que c'est une œuvre, c'est un peu difficile, puisque la maison a été construite avec la collaboration d'une société de construction. Mais bon, d'une certaine manière, on peut dire quand même que, comme tout ce qui est à l'intérieur et la manière dont elle a été construite, tout a été fait selon ce que moi je voulais. On peut dire oui que c'est quand même un peu, ça fait un peu partie de mes œuvres. Alors, j'aime beaucoup le Japon, mais il y a quand même une chose qui me dérange, c'est les constructions dans les villes. Par rapport à tout ce que j'ai vu dans beaucoup d'autres pays, en Europe particulièrement, je suis hélas un peu gênée par la forme que prennent les villes japonaises aujourd'hui. Si on demande par exemple à un enfant de
de dessiner sa maison. Je crois que souvent il a beaucoup de mal parce qu'elle a peu de particularités. Elle ressemble, toutes les maisons se ressemblent. Ça me gêne un peu. Ce qui me gêne sur le plan esthétique, hein, c'est d'abord un problème de couleur. Toutes les maisons ont toutes la même couleur, soit gris, soit le gris, soit le brun. Ça n'est pas vraiment le gris ou le brun qui me dérange, mais c'est que toutes les maisons soient absolument toutes de la même couleur. Et puis la forme aussi, elles se ressemblent toutes. Alors d'abord, quelques éléments d'esthétique, c'est que la forme, la couleur me paraissent très importantes. Si j'ai bien compris certaines bases des constructions, par exemple d'Athènes, c'est qu'il y a un triangle qui repose sur trois colonnes. Eh bien moi, j'ai essayé aussi de faire ce genre de trouver ce genre d'équilibre dans ma propre maison. Au Japon, j'ai l'impression que, en fait, quand on parle de maison, on traite ça comme une boîte. Et je trouve ça vraiment dommage, une boîte. Je n'ai pas envie de vivre dans une boîte, je voudrais une maison. Dans la peinture, par exemple, on sait que si on mélange des couleurs, on en obtient d'autres, et que si on mélange le tout, on arrive au noir. Dans la lumière, toutes les couleurs ensemble donnent le blanc. Tout ça, ce sont des données de la nature, de l'environnement, avec lesquelles on peut travailler. Quoi qu'il en soit, je pense que la responsabilité n'est pas dans les couleurs elles-mêmes, mais dans l'utilisation que l'homme en fait. Pour des raisons de santé, vous avez été obligé d'arrêter le manga à la conclusion de Ju Yonsai, 14 ans, en 1995. Est-ce que le dessin vous manque? Est-ce qu'il y a des histoires que vous aimeriez encore raconter? Non, dessiner de nouveau des mangas, franchement, je ne m'en sens pas du tout capable. Ça demande énormément de présence, une santé physique, une résistance énorme. Vous savez qu'à un moment, je publiais à la fois dans des hebdomadaires et dans des mensuels. J'avais parfois trois feuilletons dans chaque type de magazine. C'est vraiment un travail énorme. Et d'ailleurs, je ne pensais pas au départ que je serais capable de réaliser tout ça. Donc, maintenant, voilà ce que je pense, c'est que j'ai beaucoup travaillé, j'ai publié beaucoup de livres. Maintenant, c'est à d'autres de s'approprier tout ce travail et d'en faire des tas de choses. Je vous attends avec plaisir pour y réfléchir et voir ce que vous pouvez en faire. Donc, pas de manga, mais vous auriez sans doute des idées d'histoire. Quel genre d'histoire, par exemple? Alors, des histoires, oui, j'en aurais beaucoup à raconter. Je serais très heureux de pouvoir les mettre en forme. J'attends un peu les occasions, des possibilités de collaboration avec un bon producteur, si quelqu'un se présente, si j'ai une occasion, vraiment. Je pense que maintenant, je suis prêt à des collaborations. Mais d'ailleurs, comme pour le manga, je ne pensais pas au départ que j'en dessinerais tant et que je travaillerais si longtemps, que je produirais autant. Donc, de la même manière, je ne prévois rien pour le moment, mais je reste ouvert aux possibilités qui se présenteraient. Alors, c'est un peu en lien avec ce que vous venez de dire, mais il y a beaucoup d'adaptations de vos mangas en film ou en téléfilm. Et puis, depuis 2005, la collection donc Umez Perfection, qui réédite une large part de votre œuvre. Tout cela a contribué à l'émergence d'une nouvelle génération de lecteurs et de personnes qui apprécient énormément votre travail. Comment avez-vous réagi à ce regain d'intérêt ?
その時の流行りものというEn fait, dans tout ce que j'ai fait, je pense que je n'ai jamais eu envie de suivre une mode, de suivre quelque chose en vogue. Je pense peut-être même pouvoir dire que je suis assez classique dans mes choix artistiques. La plupart du temps, j'ai fait ce que je voulais parce que je sentais que c'était important, essentiel. Or, l'essentiel ne dépend pas d'une époque ou d'une mode. C'est quelque chose qui touche au plus profond de nous et qui n'est pas de la mode. Voilà, c'est la réponse que je donnerai à cette question. Oui, je pense que ce qui permet de rester dans son temps, c'est de toucher à l'essentiel qui, lui, ne dépend pas du temps. Bonjour, je suis très heureux de joindre à un festival de la bande dessinée Angoulême. À bientôt! Vache!